Au sein de la maison du Hajj, les visages sont marqués. La déclaration saoudienne de limiter le pèlerinage à 60 000 de ses résidents prive les fidèles musulmans d'accomplir le cinquième pilier de l'islam pour la deuxième année consécutive. Moi, j'ai été candidate pour le pèlerinage 2020. Ça n'a pas eu lieu, malheureusement. J'étais avec la maman. Ensuite, pour le pèlerinage 2021, elle était seule candidate. Et aujourd'hui, nous sommes à la maison du Hajj. Nous sommes un peu déconcertés quand même, un peu découragés. Mais bon, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Si la décision est venue casser la ferveur qui entoure l'organisation du Hajj, on tente de le comprendre, surtout par rapport au contexte. L'islam donne beaucoup d'importance à la vie. Et les cinq principaux de l'islam, premier point, c'est la conservation de la croyance. Deuxièmement, c'est la conservation de la vie. Donc quand la vie des musulmans sont en danger à cause du coronavirus, on doit prendre des dispositions pour empêcher les gens à aller se donner à la mort. Pour les agences de voyage, la perte est énorme. Désormais, place aux arrangements avec les clients. Ceux qui se sont inscrits à notre niveau, on a fait des démarches, on a fait des passeports, on a fait les petits trucs. Si tu viens et que tu veux reprendre ton argent, l'argent est disponible à notre niveau. Si tu veux laisser ton argent pour l'année prochaine aussi, il n'y a pas de problème. Le choc passé, la maison du Hajj se projette déjà dans les préparatifs du Hajj 2022. On va quand même procéder à continuer toujours nos dispositifs de pèlerinage pour anticiper l'organisation du Hajj 2022. Donc cela veut dire que le Hajj 2022, c'est maintenant qu'on va commencer ça. Ce sont 13 323 pèlerins maliens qui sont concernés par cette décision depuis 2 ans.